Ne cherchez pas les poux sur la tête de quelqu'un qui a la calvitie. Franco le Mion est toujours congolibon. Je ne sais pas pourquoi certains se battent pour chercher les poux sur ma tête. Bon, les amis, avant de continuer ma vidéo, il pleut un peu ici à Yaoundé, beaucoup. Donc, voilà pourquoi il y a le bruit derrière. J'ai fait une vidéo hier. J'ai posté une vidéo hier qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup énervé les gens. J'ai pris la peine de lire les commentaires et de comprendre le mécontentement de certaines personnes. Mais ce qui me pousse à faire la sortie de cette vidéo, c'est le fait que certains blogueurs veulent détourner le sens de ma vidéo et veulent faire la politique avec ma vidéo. Alors, certains blogueurs sont en train de détourner ma vidéo pour faire comprendre aux jeunes que non, c'est plutôt le tribalisme que j'étais en train d'accentuer. Et les jeunes sont passés à côté du message qui était véhiculé dans cette vidéo. Je suis désolé. Je suis désolé. Pour ceux qui me connaissent, je ne pense pas que depuis que vous me suivez, j'ai déjà fait quelque chose où on peut me coller à l'image de certains, je dis bien, hommes politiques qui prennent le tribalisme au quotidien. Aujourd'hui, certains veulent coller mon image à eux. Je suis vraiment désolé, je suis Camerounais, j'aime le Cameroun et j'aime tous les Camerounais. Je suis très loin de prôner le tribalisme. J'aime tous mes frères. Alors, dans ma vidéo, j'étais en train de passer un message et je demandais aux jeunes d'être prudents. Et vous allez constater que ceux qui veulent détourner le sens de ma vidéo, ce sont effectivement ces sorciers-là parce qu'ils ne veulent pas que les jeunes comprennent ce que je suis en train de les dire. J'attirais l'attention des jeunes en les faisant comprendre qu'aujourd'hui, les jeunes n'entrent plus dans les sectes par leur volonté, mais par ignorance. Je peux dire à 70% aujourd'hui. Dernièrement, j'expliquais un contrat. Je faisais une autre vidéo où je vous parlais d'un contrat. Qu'à partir d'un contrat, même un contrat publicitaire, même seulement, même un contrat de travail, tu peux te retrouver dans les loges. On te donne un contrat, on te fait signer un contrat peut-être qui a 100 pages. Peut-être à la 50e page, il y a des choses écrites. Toi, tu ne prends pas la peine de lire. Et vous savez bien que beaucoup de blogueurs ne sont pas allés à l'école, n'ont pas trop fréquenté. Je suis le premier. Beaucoup même, ceux qui sont allés à l'école, n'aiment pas trop lire. Voilà donc ce qui arrive souvent à certaines personnes. Moi, quand on m'appelle pour un contrat, si c'est déjà plusieurs pages, je dis donnez-moi 2 jours pour lire. Je lis le contrat. Si je ne comprends pas, je vais me renseigner sur certains points. Je vous ai dit une fois que j'ai raté cette histoire de contrat-là à cause de mon boss, grâce à mon boss, Patrick Kenny, qui m'a sauvé, que j'étais à moins virgule de signer un contrat qui était un piège. Heureusement que je me suis renseigné et il m'a dit, attention, telle partie signifie telle chose. S'il ne me renseignait pas. Parce que je lisais, je croyais que je comprenais, pourtant ce n'était pas le sens. Et depuis ce jour que j'ai dit, non, je ne veux pas ce contrat. Je ne veux pas vous expliquer ce que moi j'ai subi. Je vous ne connaissais pas ce que moi je subis en attirant l'attention des jeunes, en allaitant les jeunes. Vous pensez que ces gens qui veulent tromper les jeunes sont contents de voir quelqu'un qui prend le risque de venir dire aux jeunes que faites attention. Vous pensez qu'ils sont contents? Non. Donc, je me dis que ceux qui veulent détourner l'attention de ma vidéo, qui veulent détourner le sens de ma vidéo, en faisant comprendre aux jeunes que non, il est en train de prôner plutôt le tribalisme, vous voyez plutôt le sens du tribalisme. La vérité est ailleurs. Et quand vous partez dans les commentaires, vous allez voir que les gens sont plutôt ailleurs, dans le sens qu'on les a envoyés, qu'on les a amenés. Ils sont très loin de ce qui se dit dans la vidéo. C'est curieux. Mais vous avez des enfants, vous avez des jeunes enfants dans vos familles,
qui veulent devenir influenceurs, qui veulent être publics, qui veulent le boulot et les temps sont durs. Ok, ne soyez pas donc surpris parce qu'aujourd'hui, quand on vient, on prend le risque de vous dire faites attention, faites comme ceci, évitez cela. D'autres veulent détourner le sens. Je n'ai jamais eu l'intention de prôner le tribalisme. L'erreur était vraiment fatale. Je reconnais que je n'aurais pas dû prononcer ces deux tribus, surtout en ce moment un peu compliqué de l'histoire de notre pays. D'autres sont même allés loin au point de dire que au moment venu, nous serons les premiers à payer le prix du tribalisme. Je ne sais pas de quel moment ces gens parlent, mais je dis vraiment, je suis encore désolé et ce n'était pas mon intention. J'ai même pris l'exemple en faisant comprendre à certains que venez dans mon entreprise, moi je recrute les compétents et non ceux de telle tribu ou de telle tribu. Quand tu viens déposer tes dossiers, je ne cherche pas à savoir si tu viens de telle tribu, juste si tu peux me rendre le service dont j'ai besoin. Si tu es compétent, on travaille. Vraiment les gars, arrêtons la manipulation. Je peux encore comprendre à un point où certains qui se sont battus au pays, ils ne sont pas en sortie, ça les a dépassés, ils ont eu la possibilité de sortir et que peut-être à l'extérieur ils s'en sortent, peuvent un peu avoir mal. Je dis bien certains parce que beaucoup nous encouragent le fait qu'on reste au pays, on se bat parce que ce n'est pas facile de s'en sortir au pays, les gars. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas, il faut être un guerrier pour s'en sortir au 237. Mais quand tu te donnes à fond, quand tu persévères, vraiment, tu trouves au moins de quoi manger. Mais, il dit encore, ce n'était pas le sens de ma vidéo. Je dis encore bravo à tous ces blogueurs qui veulent me jeter à la verdie populaire. Mais ceux qui me suivent, ceux qui connaissent ma pensée, savent qui est Franco. Et si quelqu'un, parce que j'ai vu d'autres disaient qu'ils devaient se désabonner, si quelqu'un se désabonne juste parce que j'ai parlé de deux tribus dans ma vidéo, bon, c'est que la personne voulait déjà se désabonner depuis. On dit souvent un de perdu et plusieurs de trouvé. Beaucoup de personnes m'ont aussi appelé pour m'apprécier, pour apprécier la vidéo parce que ceux qui ont compris le sens de la vidéo, ceux qui n'ont pas pris le sens du tribalisme et tout, bon. N'oublions pas le conseil du général Vassero ce 6 novembre avec Maman Annie Anzoué. Mika pas tout le monde.